Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce canal. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez sur abonner, vous activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est facile. Vous pouvez faire des dons via WC Mignon et PayPal. Toutes les informations se trouvent également en dessous de cette vidéo dans la partie description. Merci les frères et sœurs, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous allons raconter ici, c'est un témoignage. Un témoignage d'un ex-sataniste qui n'est même pas encore disponible sur Nyons Reborn. C'est un témoignage qui sera disponible le jeudi prochain, qui va, c'est-à-dire les jours, deux jours après. C'est-à-dire mercredi va passer, aujourd'hui c'est mardi, mercredi, jeudi. Ce témoignage sera disponible sur Nyons Reborn. C'est un témoignage d'un ex-sataniste qui va tout vous dire. Tout vous dire! Soyez prêts, mes frères et sœurs, soyez prêts. Waouh, c'est excellent. Que s'est-il passé dans ce témoignage? Nous allons tout vous dire ici. Il s'agit d'une femme. Une femme qui est allée voir un ex-sataniste. C'est-à-dire, c'était sataniste même là. C'est lui-même qui a rendu ce témoignage. En ce moment, elle était sataniste. Donc, on va dire quoi? C'est un féticheur, un sataniste, un occultiste. Elle allait voir cet occultiste là. Et vous savez ce qu'elle a dit à cet occultiste là? Elle a dit à cet occultiste là que elle veut que son copain là l'aime elle et elle seule. Et personne d'autre. Parce qu'il a remarqué que il a beaucoup de filles dans sa vie. Beaucoup. Wow! Quelle histoire! Donc, elle dit qu'elle veut que ce sorcier-là, ou encore ce féticheur-là, détruise la vie de toutes les femmes qu'il a dans sa vie, à part elle. Alors que elle-même là, elle n'a pas la femme à ce monsieur. Elle-même là, elle est une copine, alors que cet homme-là, c'est un homme marié. Et elle veut non seulement détruire la vie de la femme qui se trouve avec lui à la maison, et également détruire la vie de toutes les filles qui côtoient cet homme, comme elle. Détruire toute la vie de toutes ces filles. Quoi? Comment l'on peut être mauvais comme ça? Est-ce que c'est ton mari? Bon, ok, bon, on va en venir. Quand elle est arrivée là-bas, cet homme-là, cet occultiste-là, ou encore ce féticheur-là, dès qu'il a regardé dans le monde des ténèbres pour observer, pour découvrir qui est cet homme, il a découvert que cet homme, c'est un homme marié. Et elle-même, là, elle est une copine. Lui-même l'était étonné. Il dit, bon, puisque ce sont des affaires, lui, il va faire ce qu'elle lui a demandé en contrepartie de quelque chose. Et il s'est mis à faire quoi? Comme elle a dit qu'elle veut que cet homme-là l'aime, elle seule, donc, il a pris l'esprit de cet homme. Et il a pris l'esprit de cette femme. Et il a enfermé les deux esprits dans le cadenas qu'il tenait dans sa main, la cadena. Donc, sa cadena, bon, il est dans un cadenas, ou même une cadena. Un cadenas, bon, selon vous, vous allez me dire dans la partie commentaire. Mais dans un cadenas, il a fermé ça dans un cadenas comme ça. Et quand il a fermé là, les deux esprits ont été enfermés spirituellement parlant et condamnés à s'aimer toute leur vie. Et il a pris cet objet-là qu'il a jeté dans quoi? Dans la mer. Une fois qu'il a jeté cet objet-là dans la mer, là, les deux ont commencé à s'aimer d'une manière anormale. Est-ce que vous voyez? Oui. Et il devait maintenant passer au deuxième niveau. Qu'est-ce que c'était maintenant? Si vous avez bien suivi, qu'est-ce que c'est? Il devait maintenant faire quoi? Détruire la vie de toutes les femmes qui sont derrière, autour de lui. Et cet homme-là a commencé à faire quoi? À détruire la vie de toutes les personnes qui se trouvent autour de cet homme. Et parmi les personnes-là, qu'il devait détruire là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. On nous dit. Comment il faisait pour détruire la vie de ces personnes, de ces femmes, autres femmes autour de cet homme? Il prenait l'esprit de ces femmes-là et il les transformait en poulets. Et quand il les transforme en poulets-là, il doit maintenant sacrifier ces poulets-là. Mais afin de les sacrifier-là, il prenait soin de regarder la vie de ces femmes-là d'abord. C'est-à-dire depuis le monde des ténèbres, il pouvait voir ce que ces femmes-là font sur la terre. Et quand il a observé parmi les femmes-là, il est tombé sur quoi? Sur une femme, parmi ces femmes-là, qui fait partie de lui-même, sa propre famille. Il a déjà transformé
l'esprit de ce membre de sa famille là déjà en poulet. Donc ça dit qu'il est prêt à tuer la personne. Mais comme c'est un membre de sa famille, il est descendu sur la terre pour causer avec cette personne là. Mais ce qui l'a étonné, c'est que cette personne là, c'était sa cousine. Et sa cousine là, elle est chrétienne. À l'église même là, elle est monitrice, c'est elle qui s'occupe des enfants qui sont dans l'église là. Elle enseigne les enfants, aux enfants la parole de Dieu. Il était étonné. À mettre qu'elle enseigne aux enfants la parole de Dieu, elle est à l'église, elle est chrétienne là. Elle entretient des rapports sexuels, des relations avec qui? Un membre de l'église. Dans l'église là. Elle a un copain là-bas. Ça veut dire qu'elle est dans la pudicité. C'est une porte ouverte au diable. C'est à cause de ça que ce sataniste a réussi à la transformer en poulet. Ça veut dire que toi, tu es chrétien, tu es soi-disant chrétien, tu te masturbes. C'est une porte ouverte au diable. Le diable peut te transformer aussi en poulet. Pour moi, qui es chrétien, tu es chrétienne, et tu as les copains, tu as les copains, tu as les copines par là, là. Le diable a accès à ta vie à cause de ça, c'est une porte ouverte. Vous voyez comme c'est facile. C'est trop facile. Et lui, il était étonné de voir ça. Donc il est descendu physiquement pour voir cette fille-là. Il lui a dit, viens s'il te plaît, j'aimerais te voir. Ma soeur, est-ce que tu sors avec telle ou telle personne? Elle-même, elle était étonnée. Il dit, mais comment tu sais ça? Il lui a dit, est-ce que tu sais que je suis un sataniste? Ah bon, tu es une sorcière. Il dit, il faut te calmer. Actuellement, là même où tu es là, tu es en danger. Comment ça, je suis en danger? Il lui a dit, il faut me suivre. Viens, allons-y. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, là, il lui a montré tout ce qu'elle fait sur la terre. Dans une calebasse. Tout ce qu'elle fait sur la terre là, tout est observé. Ça veut dire que tout ce que les hommes font sur la terre là, depuis le monde des ténèbres, on observe tout. Tout est observé. Attention mes frères et sœurs. Quand il lui a montré sa vie au travers de cet objet là, aïe, elle était maintenant perturbée. Tout est vrai et elle-même se voyait en train d'avoir des rapports sexuels avec le monsieur. Il lui a dit plutôt que le monsieur que tu cherches là, une de ses copines est venue ici pour nous dire de faire du mal à toutes les personnes qui sont ses copines. Il a beaucoup de copines de toutes les façons. Tu en fais partie. Quoi? Et elle a décidé de vous tuer. Je t'ai même transformé en poulet. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour te transformer, pour transformer ton esprit là en état normal. Voici le problème qu'elle a. Donc, je cherche des solutions. Qu'est-ce que tu dis? Mes frères et sœurs, chrétiens, que va-t-il se passer par la suite? Cet homme va maintenant décider d'aller dans le monde des ténèbres pour avoir des solutions à ce problème-là. Dès qu'il est arrivé dans le monde des ténèbres, là, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, le diable s'est détruit, mais il ne s'est pas arrangé. On ne sait pas comment on va arranger ça pour toi. En tout cas, pour pouvoir la libérer là, il faut forcément sacrifier quelqu'un à sa place. Que va-t-il se passer par la suite? Regardez la vidéo qui va venir le jeudi prochain. Ça sera un témoignage de plus de 30 minutes qui sera là. Regardez cette vidéo là. Écoutez, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour la suite. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Chrétien! Sois un vrai chrétien. Si tu es un faux, le diable va te faire du mal comme ça. Détruis ta vie comme ça. Regardez. Est-ce que vous avez une solution pour cette femme? C'est Jésus-Christ. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est chaud, il faut recommencer. Abonnez-vous massivement et ne manquez pas la vidéo qui va venir le jeudi prochain. Merci les amis. À bientôt.